Avant que la vidéo commence, j'aimerais que vous sachiez que j'ai créé une communauté PS4 pour ma chaîne YouTube. On est 4 modons, il y a moi, Bartoon, Snacky Formula et Massimo Spa. Donc si vous avez envie de la rejoindre et pour être membre, n'hésitez pas, le nom est là. Et bon, sinon, bon visionnage de cette vidéo, c'est du top! Tout le monde, c'est les games, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Just Cause 3, et aujourd'hui, ça va mal. Mais non, bien sûr, tout va bien, et aujourd'hui, on se retrouve pour The Just Cause, pour un petit peu délirer avec l'avion cargo. Alors, qu'est-ce que c'est que l'avion cargo? C'est un cargo, un grand avion, dont on peut mettre des véhicules, donc celui-là où je suis posé au calme. Faut que je trouve une belle plateforme, donc cargo plane normal. Bon, bah, dès que je suis vers le cargo plane, je vous dis ça, et bah, tout de suite, hein. Juste avant de préciser, je reprends mon ancien outro, parce que le bonsoir à tous et à toutes, ça m'a saoulé, donc je préfère garder mon ancien outro. Allez, c'est parti. Je sais pas pourquoi, mais les rochers sont vraiment bouillés sur Just Cause. Petit problème, sinon la vidéo est trop longue, je vais couper le moment avec le cargo plane, sachant qu'il y aura beaucoup de fails. On va direct passer aux acrobaties avec le monster truck. J'avais prévu plein de trucs, mais bon, je vais pas vraiment les faire. Donc là, vous voyez la scène au moins que j'ai filmé, j'ai coupé le son pour parler au micro. Sinon, je vous souhaite encore un bon visionnage. Ok, on se retrouve sur une descente de complètement géniale. Donc je vais préparer mon véhicule. Je vais préparer le Monster Truck si je peux le prendre. Si je ne peux pas le prendre, dommage, hein. Ah bah. Qu'est-ce qu'il y a là? Le Monster Truck. Donc je prends le Monster Truck, puis c'est après je ferai avec la Verde Alien. Oh, il est beau. En fait, c'est un camion, mais il est un petit peu maudit, tu vois. Allez, c'est parti. On fait chauffer les moteurs. Allez, c'est parti. Bon, j'ai vu des vidéos sur cette porte-là. À ce qui paraît, elle mène à un grand saut. Surtout que le Monster Truck et les sauts, c'est énorme. Oh, oh, regardez ce que je fais. Oh, c'est magnifique. Oh, regarde, je suis tombé sur les 4 roues en plus. C'est magnifique. Donc, je vais un petit peu concentrer là. Il y a beaucoup de bruit. Hein. On va se faire plus du monde. Oh, 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 oula, oula. Et t'es un petit peu parti dans le décor. En fait, mon but, c'est de suivre la route, mais si le Monster Truck fume, donc fume en dégâts, eh bien, je devrais recommencer, pas avec le Monster Truck, mais avec un autre véhicule. Ah non, mais là, ça va être impossible. On va essayer. Allez. Oh non. Oh non. Oh. Ok, ça va, j'ai quand même réussi. Ah, c'est chaud quand même. Donc celle-là, je l'avais réussi avec les 5 anneaux. Donc si j'y réussis pas, bah, c'est pas grave. De toute façon, c'est un entraînement. Non, 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 comment on retourne au point de départ? Ok, donc je recommence. Il a toujours pas des dégâts. Mais bon, si on perd un anneau, sachant que je suis tombé, donc ça tombera comme une faute. Oh là là. Oh là là. Ouais. Ah si, il a des dégâts sur la... Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh. Ah bah non, mais c'est mort, on a un anneau en moins. Bon. Et il va falloir qu'on recommence. Bon, cette fois, je vais pas faire de salto. Le mec, attends, je vais pas de salto, qu'est-ce qu'il fait? Oh non, oh non, oh non, la réception, oh non. Oh non. Oh bah non, mais on a perdu, hein. Ah bah non, on a perdu. Qu'est-ce que tu crois, toi, on a perdu? Bon, allez, cette fois, je fais pas de salto. De toute façon, on a perdu. Hein. Donc, je vais devoir faire ça avec la Verde Léon. Oh, t'as un arbre qui m'a déconcentré. Il y a un arbre qui m'a déconcentré. Oh, oh, je la sens bien, la réception. Oh. Bah, on va devoir retourner en arrière. Bon, voilà. Il a quand même des dégâts. Donc à la fin, on verra s'il a du ou pas. C'est parti, on a complètement perdu. On a perdu.
On a rien, mais c'est pas grave, je suis sûr que j'ai déjà réussi cette fois. Calme-toi. Ok, donc les ennemis, ils viennent filer. C'est des... Oh, va pas trop loin. Les animaux, c'est des... Oh, attends. Alors, déjà, ils fument pas. C'est la moindre des choses. Je vais fermer la portière. Donc, il a des dégâts au pare-brise. Au pare-brise. Capot. Comme d'habitude, j'ai supprimé des moments parce que la vidéo sinon elle dure trop longtemps. Là, elle dure plus de 26 minutes. Donc, le moment avec la Verdelion, je supprime. Par contre, je garde l'attaque et le tuto pour la Formule 1. Sinon, bah, encore un bon visionnage. Et bah, n'hésitez pas à liker, commenter, etc. Blablabla. Donc là, je suis dans une zone interdite, mais je me give là le Mistral. Donc, il est assez stylé en bleu, c'est. Attends, d'où je suis en accès limite. Oh non, 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 je décolle. Ok, ça appelle les renforts, Moi, je vais tous les dézinguer. Là, j'y vais à la roquette, par contre. Hein. Ok, donc niveau 5. Aïe. Oh, mais ça, c'est que ça. Oh. Je vois rien. Bon, alors, par contre, la parabole, je vais me la faire au missile. C'est le seul moyen que j'ai. Par contre, vous là. Ça, c'est du bonus. Hein. Aïe. Qui s'est libéré là. Je l'entends, mais je ne le vois pas. Ah, il était derrière moi. Mais non. Je suis en train de mourir. Non, 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 mais là, c'est mort. Il va se cracher. Ah, bah. Changement de plan, les gens. Donc, il y a du monde chez moi. C'est normal qu'il y ait du bruit de fond. Changement de plan. On va pas attaquer en aérien. Mais anti-reste. Attends, je vais rester. Oh, je savais pas que les boucliers. Oh, what? Ok. Donc, il y a un tank à Bavarium là-haut. J'ai envie de le faire. Hop. Tank à Bavarium. Ouais, tout. Ok, je vais me le faire. J'attends que les boucliers soient désactivés, mon pote. Et non. Pas envie que tu me tires dessus. Tu me permets que je prenne ton petit véhicule et que je me fasse un plaisir sur cette base de Falco Maxime. Sachant que la base de Falco Maxime, je pense que c'était la première fois où j'ai testé le véhicule à Bavarium. Mitrailleuse, mon capitaine. Bon. Bien sûr, j'ai débloqué le tank à Bavarium. On l'avait vu dans la dernière vidéo. Il y a du sniper là, j'aime pas ça. Casse tout le jeu, toi. Hein? Cabom! Bien sûr, je suis obligé maintenant de faire tout à la roquette parce que. Là, je suis en tank. Après il y a une mitrailleuse toujours mais. Je suis mauvais viseur parce que il y a vraiment une sensibilité énorme. Voilà. Voilà. Donc on va faire ça et on va attaquer la parabole avec de la du lance-roquette. Ok, parabole télé. Les noms. Hop là. Attends, je vais mettre juste mon bouclier. Ici, qui me tire dessus. Ok, donc à ce qui paraît, ils ont envoyé un truc archi lourd, j'espère. Attends, les renforts, c'est quoi? Oh bah tiens! Bon bah, je vais peut-être quitter toi. Toi, je te revois après. Hein. Je vais prendre un véhicule à Bavarium. Bon, bien sûr, j'en ai trois, donc je vais m'occuper d'eux personnellement. Puis c'est des escadrons de trois. Oh, toi, t'es trop sur le sol. Mais je vais prendre quand même. J'attends. Oh 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 oh. Non, j'attends. Je m'en fiche. Je prends quand même des dégâts. Mais je t'aurai, mon pote. Hop là. Je vais me plier. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser le truc à Bavarium. Oh 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 oh. Du calme. Je vais le poser, puis je vais prendre les deux autres. Ça sert à rien d'attaquer l'urgueur les gars, je suis plus dedans. Ok, bon bah j'en aurai qu'un seul. Mais toi par contre tu m'énerves donc. Ouh, par contre là je prends assez de dégâts. Wally Nigger, je prends des dégâts. Toi par contre tu vas me laisser tranquille, s'il te plaît. Je t'ai rien, fais une balle. Hop là, toi déjà je te prends. Et tu vas me servir grandement. Hop là, donc déjà. Ça dégage, donc on est de retour. Donc, ça, c'est mon truc de rechange. Hein. Je vais tirer à la mitrailleuse. Wow,
Bon, alors, je vais quand même attaquer la tour de Falco Maxime, à mon avis. Donc, ça se fait en accéléré. Bien sûr, il y aura une musique du... Oh non, j'aime pas ça, genre. Oh non, ça c'est pas beau. Ça c'est pas beau pour les gens, déjà. Bon, allez, ça se fait, rapide, en accéléré. Bah, je vous retrouve à la fin, et c'est parti. Donc là, c'est parti pour débloquer la Formule 1. Donc vraiment, j'ai l'accéléré, je pense que ça va beaucoup vous plaire. C'est comme le ralenti de Star Wars Battlefront. Allez, bonne chance si vous arrivez à gagner la Formule 1. Hein. Ok, les gens, je suis à la course de Réunion, donc c'est la course urbaine. Faites commencer les filles. Et bah moi, je pense que ça me mettra, la Mugello, ça vous met la Mugello. Donc je disais, ça vous met la Mugello, donc pour ceux qui ne l'ont pas, bien sûr, vous pouvez commencer le level, et là, vous voyez, vous fait faire... je sais pas pourquoi je fais ça, franchement, celle-là, elle est belle, elle est stylée. Donc vous pouvez commencer la course avec la Mugello, et donc là, vous allez faire, pardon, tous les défis quand vous êtes à l'intérieur de la Mugello. Ciao, ciao, les gens.